Bienvenue à cette visite guidée de l'Axis Audio Manager Edge. Dans cette vidéo, je vous montrerai les fonctionnalités principales et les paramètres de configuration et vous verrez à quel point il est simple à configurer et à gérer. L'objectif de cette vidéo est de vous familiariser avec cet outil. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande de consulter le manuel d'Axis Audio Manager Edge en ligne ou de visiter la page du produit sur axis.com pour trouver tout le matériel de support disponible. Commençons par le début. Lorsque vous avez connecté les haut-parleurs de votre système au réseau, connectez-vous à l'un d'entre eux et vous verrez ce nouveau bouton pour ouvrir Audio Manager Edge. La première fois que vous ferez cela, vous pourrez donner un nom à votre site. Comme nous avons créé le système Edge sur cet appareil, il deviendra le leader de notre système. Voici le tableau de bord. Vous y trouverez un aperçu rapide des appareils actifs, de ce que joue le système en ce moment et un agenda de ce qui est prévu pour aujourd'hui et demain. En bas, plus bas, vous avez un lien rapide pour ouvrir Axis Audio Manager Edge sur cet appareil. Nous y reviendrons ultérieurement. Sous l'onglet Applications, nous trouvons des applications qui nous aident à contrôler notre système. Comme nous sommes l'administrateur de ce système, nous pouvons voir toutes les applications disponibles pour le système. Edge est intelligent et nous pouvons créer des comptes pour les collègues ayant des droits limités pour configurer le système. Dans leur cas, ils ne verront que les applications qu'ils sont autorisés à voir. Je vous montrerai cela un peu plus tard. La première chose que nous voulons faire, c'est d'ajouter à notre système Edge les haut-parleurs qui sont sur le réseau. Pour cela, nous trouvons l'application Zone Physique tout en bas. Dans cet exemple, nous installons 4 haut-parleurs pour une petite épicerie. Le propriétaire du site veut un haut-parleur dans la zone du personnel pour faire des annonces, 2 haut-parleurs dans la zone des clients pour diffuser de la musique ainsi que des annonces, et un haut-parleur additionnel au comptoir où la musique est un peu plus calme. Nous allons donc créer 3 zones. Créer les zones et y ajouter les haut-parleurs. La prochaine étape que nous allons prendre est de mettre en place la fonctionnalité d'annonce en direct. Le gestionnaire dispose d'un microphone Zip2N situé dans l'arrière-boutique, grâce auquel il est possible de diffuser des annonces en direct sur le système. Mettons-le en place. Nous pouvons le faire dans la section Sources de messagerie. Pour ajouter une source de messagerie au système, nous devons d'abord établir une connexion entre un microphone et un haut-parleur dans notre système. Cela se fait en dehors de cette application. Vous pouvez connecter une source de messagerie à un haut-parleur soit par Vapix ou SIP. Si vous souhaitez savoir comment procéder, vous pouvez consulter le manuel en ligne d'Axis Audio Manager Edge où nous avons créé des guides avec des instructions étape par étape. Une fois qu'une source de messagerie comme le bouton d'un microphone SIP a été associée à un haut-parleur, ce que nous voyons sous les sources de messagerie n'est pas le microphone, mais le haut-parleur qui reçoit le signal. C'est pourquoi il est important de ne pas oublier d'établir la connexion de nos sources de messagerie à différents haut-parleurs. Cela nous permettra de configurer facilement l'appel entrant vers les zones dans lesquelles nous voulons qu'il soit diffusé. Maintenant que la source de messagerie a une connexion établie, vous pouvez choisir librement l'endroit où vous voulez qu'elle soit diffusée. En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous avez établi la connexion avec un haut-parleur spécifique que vous êtes limité à seulement ce haut-parleur. J'ai maintenant connecté 3 des boutons du micro SIP, chacun diffusant à des haut-parleurs différents dans le système. J'ai fait cela en utilisant SIP, donc maintenant je peux configurer la zone dans laquelle je veux que chaque bouton adresse la diffusion. Je veux que le premier bouton diffuse le message à tous les haut-parleurs du système. Le second ne doit diffuser que dans la zone réservée au personnel. Le troisième bouton doit diffuser à tous les haut-parleurs de l'espace client. À gauche, nous avons une liste de priorités où nous pouvons classer nos sources de messagerie en fonction des priorités. Une source de messagerie ayant une priorité plus élevée l'emportera toujours sur les sources moins prioritaires. Les annonces par microphone en direct ont toujours priorité sur la musique, les annonces programmées ou les publicités. Si notre site avait été beaucoup plus grand et avait comporté beaucoup plus de zones, nous aurions également pu créer une zone de messagerie qui combine les haut-parleurs et les zones physiques selon nos besoins. Cela peut simplifier une installation plus importante.
La prochaine étape est de créer différents utilisateurs pour notre système. Dans ce cas, le magasin aura trois types d'utilisateurs différents. L'un d'eux sera le responsable informatique, Greg, qui a la responsabilité générale de l'administration du système. Il aura un compte d'administrateur. Ensuite, nous aurons Tina, qui est le directeur du magasin. Elle obtiendra un compte de gestion de contenu grâce auquel elle pourra contrôler les publicités, les annonces, la musique, le volume de la musique et les heures d'ouverture. Notez qu'elle ne peut pas modifier le volume des annonces. Ceux-ci doivent toujours être réglés sur un volume sonore spécifique afin que les messages importants de messagerie ou de sécurité soient toujours entendus sur l'ensemble du site. Enfin, nous avons Paul, Megan et Suzanne qui font partie du personnel et travaillent dans le magasin. Ils auront chacun un compte de gestion du volume, ce qui signifie qu'ils peuvent changer le volume de la musique selon leurs besoins. Pour modifier le volume de la musique dans le système, les utilisateurs ne doivent pas nécessairement se connecter avec un ordinateur. Ils peuvent simplement télécharger l'application Axis Volume, s'identifier et se connecter pour régler le volume de la musique selon leurs besoins dans les différentes zones. Ensuite, configurons les heures d'ouverture pour ce site. La raison pour laquelle nous faisons cela est que le système peut automatiquement ajuster les messages d'annonce d'ouverture et de fermeture du magasin en fonction des heures réelles d'ouverture et de fermeture au lieu d'être diffusé à des heures fixes. Notre site sera ouvert de 8 à 17 heures tous les jours ouvrables et de 8 à 15 heures le week-end. Ensuite, ajoutons quelques annonces d'ouverture et de fermeture. Nous voulons les diffuser dans l'espace client. C'est pourquoi nous sélectionnons ces zones pour notre programmation des annonces. Nous allons télécharger nos clips d'annonces vers la bibliothèque. Ensuite, nous créons des annonces d'ouverture. Nous sélectionnons notre clip, nous le choisissons et configurons pour qu'il soit utilisé pour les heures d'ouverture et qu'il soit diffusé tous les jours de la semaine. C'est fait. La même procédure s'applique pour la fermeture. Nous voulons aussi en ajouter une qui annonce que le magasin ferme dans 15 minutes. Pour celui-ci, nous pouvons configurer qu'il soit joué 15 minutes avant la fermeture. Ensuite, nous allons ajouter de la publicité. Cette fonction est typiquement utilisée plutôt pour les grands magasins pour des annonces publicitaires. Dans notre cas, nous allons utiliser cette fonction pour faire passer des messages de sécurité récurrents. Commençons par ajouter les zones dans lesquelles nous voulons que ces messages soient diffusés. Téléchargez notre message de sécurité vers la bibliothèque. Ensuite, nous ajoutons un calendrier de publicité. Sélectionnons le jour, l'heure de début et de fin et choisissons le message dans notre bibliothèque. Enfin, nous configurons ce clip pour qu'il soit diffusé toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes, un message de sécurité sera diffusé. Et une fois de plus, ce message pourrait également être utilisé pour de la publicité ou tout autre type de message que vous souhaitez faire passer de manière récurrente. Remember to maintain at least 1 meter of distance between yourself and other people, particularly if they're coughing or sneezing. Thank you for shopping with us and thank you for your cooperation. Ensuite, ajoutons un peu de musique. Dans la section source, nous pouvons ajouter de la musique de différentes manières. En utilisant la connexion Line In de l'Axis Audio Bridge, par exemple, un flux web ou un ACAP. Dans notre cas, le magasin diffusera le canal 1 de la radio BBC pendant les heures d'ouverture. Pour ajouter un flux web, vous avez besoin d'un lien de streaming comme ce lien M3U. La plupart des radios ont des liens de streaming web disponibles en ligne. Il suffit de faire une recherche sur Internet. Maintenant que j'ai une radio web, excellent! Mais si elle devait s'interrompre à cause d'une mauvaise connexion Internet, je ne voudrais pas que la musique s'arrête. Nous allons donc aussi préparer de la musique en local sur la mini-carte SD insérée dans le haut-parleur qui peut servir de liste de lecture de secours. Regardons maintenant les niveaux de volume. Passons la section du volume de la musique et regardons directement l'application de calibration des volumes. Ici, nous pouvons définir nos niveaux de musique par défaut pour chaque zone. Ensuite, nous pouvons calibrer le volume pour les sources de messagerie, les annonces et les publicités. Dans notre cas, nos messages de sécurité.
Si l'un de vos collègues augmente le volume de la musique à un moment donné, vous pouvez le réinitialiser au volume par défaut en cliquant sur le bouton de réinitialisation dans l'application de volume de la musique. Notre système est maintenant prêt. Nous espérons que vous avez trouvé ce guide utile.